Bienvenue à ce numéro 00 de votre nouveau magazine 50+. Ce soir, comme vous l'avez noté dans notre sommaire, nous allons marquer un arrêt sur la gratuité de l'enseignement de base. Est-ce une simple réalisation d'une promesse de campagne ou l'aboutissement, entre guillemets, forcé d'un processus qui devrait suivre son cours normal? Sur ce plateau, pour parler du sujet, nous recevons pour vous trois invités. Eh bien, il s'agit de l'honorable Christophe Lutundula, qui est un acteur politique élu des Katakokombe. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de l'honorable Lutundula, nous avons monsieur Jean Bosco Puna. Lui, il est secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SINECAT. Monsieur Jean Bosco Puna, bonsoir. Bonsoir, madame. En tout cas, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Et là, vous venez représenter vos collègues enseignants. À côté, nous avons un autre acteur, toujours du même secteur. Il s'agit du représentant des parents. C'est l'ANAPECO. Nous avons cité monsieur David Steve Diatezoa, qui est président de l'ANAPECO. Bonsoir, monsieur David. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur ce plateau des 50+. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, pour mieux vous informer, nous avons déployé des équipes, des reporters sur le terrain afin de pouvoir récolter pour vous plus d'informations sur la question. Et d'entrée de jeu, je voudrais vous proposer de faire avec Monulfe Bosso un retour sur notre passé récent et notre passé éloigné de cette histoire qui concerne l'éducation des enfants congolais. Suivez. La situation remonte vers le milieu des années 80. Le Tazayora se détache progressivement de ses obligations constitutionnelles, réduisant à chaque exercice budgétaire l'enveloppe destinée au secteur de l'éducation. Sur le terrain, les conséquences ne se sont pas fait attendre. L'on assiste à la paralysie des activités scolaires. À la base, le non-paiement du personnel enseignant. La situation atteint son paroxysme en 1992, lorsque la grève des enseignants débouche à une année blanche, sans pour autant faire fléchir la volonté du gouvernement de l'époque, confronté à plusieurs revendications à caractère social et fragilisé par un pillage qui a détruit tout le tissu économique du pays. Ce fut aussi un moment où le Zaïre amorçait un tournant décisif de son histoire avec l'organisation à Kinshasa de la Conférence nationale souveraine. Essayons de nous entendre au maximum et nous irons de l'avant pour une bonne Troisième République. Face à ce que beaucoup de Congolais qualifient de démission du pouvoir étatique, le cardinal Etchou convoque une tripartite. Église catholique, école, parents, pour des solutions. De cette rencontre naquit un protocole d'accord au terme duquel les parents, premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, s'engagent de manière exceptionnelle à prendre en charge les frais des transports des enseignants au motif de sauver l'année scolaire en péril. Ici, il était question d'éviter la malheureuse expérience de 91 et 92, années pendant lesquelles les enfants congolais n'avaient pas repris le chemin de l'école. La mesure de 1993, qui au départ provisoire, s'est non seulement maintenue et prit plusieurs dénominations, frais des transports, prise en charge des enseignants par les parents et enfin motivation, mais s'est également étendue sur l'ensemble du territoire national, toucha aussi l'enseignement supérieur et universitaire. La mesure sera finalement avalisée par l'État zaïrois, qui abandonnera toutes les charges liées à l'enseignement public aux parents. Pourtant, le pays est signateur de plusieurs conventions et traités internationaux, lesquels garantissent le droit obligatoire à l'instruction. Comme l'on pouvait imaginer, les conséquences de cet abandon ne se sont pas fait attendre. À tous les niveaux, la qualité de l'enseignement a fortement baissé. Le produit formé ne répond plus aux besoins et aux exigences du développement de la République démocratique du Congo. De nombreux enfants issus des familles moins nanties se trouvent exclus du système scolaire congolais. À titre illustratif, selon les rapports de l'UNICEF, un enfant de 6 à 14 ans n'a jamais fréquenté l'école et risque de ne jamais la fréquenter.
Les enseignants ont perdu de leur notoriété vis-à-vis des élèves et de la société. Devant les dérives de cette pratique, les syndicats des enseignants et les comités des parents ont signé plusieurs protocoles d'accord pour abroger ou supprimer la prise en charge des enseignants par des parents. Sous le règne de Joseph Kabila Kabange, le Parlement de la deuxième législature de la Troisième République saisit la balle au bond et inclut la gratuité de l'enseignement dans la Constitution révisée de 2011 en son article 43 et la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 en son article 72 régit la gratuité de l'enseignement depuis l'école primaire jusqu'au secondaire. Le gouvernement Matata, le premier à appliquer les prescrits de la Constitution, consacre la gratuité de l'enseignement. Le processus démarre avec la construction des infrastructures d'accueil. Ces projets concernent 5000 écoles sur toute l'étendue du pays. Quelques provinces pilotes expérimentent déjà cette gratuité. Le décor est ainsi planté et permet aux candidats des différentes échéances électorales de promettre aux Congolais un enseignement gratuit et obligatoire. La mise en application effective et totale de la gratuité de l'enseignement cette année scolaire 2019-2020 est donc la résultante d'un long processus entamé depuis près d'une décennie en République démocratique du Congo. Bien, merci. Sur ce plateau, je reçois Monilf qui a commenté ce reportage. Bonsoir Monilf. Bonsoir Angèle. J'ai suivi ton élément, tu as cadré à partir des années 80 jusqu'à 2018. Juste un petit mot de ce qu'a été notre éducation avant 80. Voilà, avant 80, je vais remonter l'histoire pour arriver à l'ère coloniale. Vous savez que pour ceux qui ont étudié pendant ces temps-là, le Belge avait un souci. Le souci, c'était quoi ? C'était la formation de l'élite. Et pour ce faire, les Belges ont mis du paquet. Alors, ceux qui devraient aller à l'école, l'école était obligatoire, parce que c'est pour vous dire que la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, quand on dit que c'est obligatoire, ce n'est pas quelque chose de neuf, comme je dirais. C'est-à-dire, on pouvait aller à l'école, étudier gratuitement et on recevait tout. Les livres, les cahiers, les stylos, tout ça. Ça veut dire que les élèves venaient et trouvaient tout sur place. Ils trouvaient tout sur place, okay, sans que ça puisse poser de problème. En suivant votre reportage, nous constatons que vous avez annoncé que la gratuité s'applique depuis 2011. Oui, ça s'applique depuis 2011. Alors, il y a eu cette prise de conscience sous le régime de Kabila en 2011. Et on a inscrit la gratuité de l'enseignement dans la Constitution. Je voudrais me tourner vers l'honorable Lutundula. En 2011, vous êtes au Parlement. Exact. Déjà, vous êtes déjà au Parlement. Exactement. On parle de l'article 43, oui, de la Constitution qui consacre la gratuité de base, la gratuité de l'enseignement de base. Comment cet article a été conçu et comment l'application devait se faire? Parce qu'on dit que ça commence en 2011. Vous confirmez cela? Oui, je confirme. Et d'ailleurs, côté pédagogique, j'ai la Constitution ici pour qu'on comprenne bien. Article 43. Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants. Et enfin, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Il est clair à partir de ce moment-là que l'option politique fondamentale ayant été levée concernant un droit majeur, un droit de l'homme consacré par des instruments internationaux et un droit qui contient l'avenir du pays, il est clair en ce moment-là que l'exécution, c'est le gouvernement qui doit prendre des mesures d'application et soumettre notamment au Parlement les mesures qui relèvent du domaine de la loi. Je voudrais donner la parole aux parents d'élèves, c'est l'ANAPECO, M. David. Est-ce que vous qui êtes à la tête de l'ANAPECO depuis plusieurs années, en 2011 déjà, on applique la gratuité de l'enseignement des bases. Comment cela s'est passé sur le terrain exactement?
Sur terrain, cela s'est passé que les classes de première et de deuxième primaire, les parents ne pouvaient plus payer les frais de scolarité parce que ces classes étaient devenues gratuites. Mais dans le fait, il n'en a pas été question. C'était un échec. Donc, de 2011 à 2019 ici, cette gratuité qui était graduelle n'a pas fonctionné. Nous, les parents, nous avons continué à payer les frais de scolarité. On a parlé des provinces pilotes parce que là, je me rappelle bien que Kinshasa, effectivement, les parents continuent à payer et Lubumbashi... Kinshasa et Lubumbashi n'étaient pas concernés jusque-là par la gratuité. Oui. Et ce sont les autres provinces de l'arrière-pays qui étaient concernées. Mais partout là-bas, les parents ont continué à payer les frais parce que l'État n'avait pas prévu quelque chose pour les enseignants concernés par la gratuité. Et donc, c'était un échec. Je voudrais revenir à M. Bosco Pouna. M. Pouna, on parle de la gratuité en 2011. Vous êtes syndicat des enseignants, les parents ont donné leur mot. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Bon, merci madame, mais il faut déjà dire que l'honorable venait de le dire, il a rappelé la disposition constitutionnelle. Je crois déjà en 2006, l'article y était déjà, qui consacrait les droits à l'éducation de chaque enfant. En 2010, le président Joseph Kabila lance la gratuité et nous avons comme ministre le ministre Macaire qui devrait définir les modalités d'application de cette gratuité. Malheureusement, eh bien, on va faire une discrimination que nous, syndicats, nous avions toujours condamnée. Les villes de Lubumbashi et Kinshasa n'étaient pas concernées par cette gratuité. Mais alors, on a essayé avec les autres provinces, l'arrière-pays, ça n'a pas fonctionné. Le président de l'ANAPECO venait de le dire. Donc, c'était une véritable supercherie. Et bon, voilà, aujourd'hui, ça nous rattrape. Donc, il faut simplement dire que cette gratuité, c'était... bien sûr, c'est codifié dans la Constitution, mais les acteurs politiques n'avaient pas eu la volonté de pouvoir l'appliquer tel que nous le remarquons aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer les efforts de la nouvelle gouvernance qui arrive. Il y a une volonté politique qui est... Je vais vous arrêter parce que nous allons parler justement de la nouvelle gouvernance. C'est ça, madame. Avec le reportage donc, qui va suivre. Donc ça n'a pas fonctionné et c'était véritablement du bluff. Ça avait dérangé beaucoup de familles. Nous, enseignants, nous étions dérangés. Je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer ce qui arrive. Ok. Monif, tu as quelque chose à ajouter et là-dessus? Juste pour... Je pense bien que je peux contredire le président de l'ANAPECO et les syndicalistes du Sénécat parce que nous avons des témoignages dans les Kassai, par exemple. Il y a eu... Effectivement, parce que moi, je me pose la question si le monsieur de l'ANAPECO est en contact avec ceux qui sont dans des provinces parce que nous avons eu le PROVED qui nous ont confirmé comme quoi première, deuxième, troisième, il y a eu effectivement cette gratuité. Et cette fois-ci, ils sont débordés. Vous allez suivre. Je ne voudrais pas... Voilà, pour avancer. Voilà, vous n'anticipez pas exactement. Je ne voudrais pas anticiper. Je pense qu'il y a des témoignages pour ça. Mais justement, il faut recadrer parce que nous sommes ici devant l'opinion. Il faut que nous donnions de la très bonne information. Voilà, Monulf, je te retiens. Il y a un élément de reportage que tu as signé avec Anita Luambois sur les troisième cycle électoral qui vient et qui parle dans les promesses des campagnes. On parle de la gratuité de l'enseignement de base. Je voudrais bien que nous puissions ensemble suivre d'abord ce reportage. Ensuite, on va revenir. C'est un défi immense et complexe à la fois que s'apprête à relever la République démocratique du Congo, celle de rendre effective la gratuité de l'enseignement de base. Une gratuité garantie par l'article 43 de la Constitution, dont la mise en application a commencé dans certaines provinces du pays. Les différents candidats à la présidentielle de décembre 2018 peuvent maintenant en faire leurs promesses de campagne. Question de séduire les potentiels électeurs. Mon mandat est tout. Si tu capitaine wa rais wa Congo, tu tapenda école primaire hakuna kulipa Minerval.
discours démagogique ou simple utopie, peu importe, mais seul parmi les 19 candidats à la course présidentielle va réaliser sa promesse de campagne. Il s'agit de Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, qui a requis 38% des suffrages exprimés par les Congolais. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo. Le successeur de Joseph Kabila Kabongé accède au pouvoir conformément à la Constitution. Respectueux de la Constitution, je vais demain passer la main sans regret ni remords, car en dépit des imperfections dues à toute œuvre humaine, le Congo revient de loin et repose sur des bases solides aujourd'hui, mais plutôt avec de vœux sincères, d'ardentes prières à celui qui, désormais, aura la charge de la nation. Le 24 janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi est investi officiellement en tant que chef d'État devant Dieu et la nation congolaise. Le cinquième président de la République jure de respecter et de défendre la Constitution dans toute son entièreté. Je jure son allènement devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. L'image a fait le tour du monde. Joseph Kabila Kabongé passe la main à Félix-Antoine Tshisekedi, qui eut cru. C'est pour la première fois, prestation de serment, remise de l'étendard Tshisekedi. Une transition historique, pacifique et civilisée, où l'on voit le président sortant remettre les symboles du pouvoir à son successeur. Cela devant les membres de la Cour constitutionnelle, la nation congolaise et les chefs d'État africains invités pour la circonstance. Quelques mois après son investiture, le président de la République va concrétiser sa promesse de campagne. Félix Tshisekedi annonce l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base. La gratuité, c'est en train d'arriver petit à petit. Donc on avance, on est en train d'aller étape par étape, mais je pense que le chantier sera complet. À la rentrée de l'année prochaine, là, on aura à la fois résolu le problème de vos traitements, mais également celui de la gratuité. Et pour matérialiser cette gratuité, une table ronde sera organisée. Celle-ci va réunir les acteurs de la société civile, les experts du secteur de l'éducation, ainsi que les représentants des 26 provinces. Ensemble, ils vont examiner avec la plus grande attention l'applicabilité de cette gratuité. L'alinéa 3e de l'article précité de la Constitution de notre pays non seulement rend obligatoire l'éducation des bases, mais également et surtout impose sa gratuité, tout au moins pour les établissements publics. À l'issue de ces travaux, des mesures d'accompagnement ont été prises. Parmi les recommandations formulées, on note la qualité de l'enseignement, les conditions d'accueil qui passent par la construction des nouvelles écoles. Et pour garantir cette effectivité, avant la rentrée scolaire, tous les directeurs des provinces éducationnelles se sont réunis pour préparer la rentrée scolaire. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Monulf, tu as signé ce reportage avec Anita. Avant que tu n'interviennes, je voudrais me tourner vers nos invités. Je voudrais donner la parole à l'honorable Lutundula. Nous voyons les troisième cycle électoral, 2019, honorable. En 2006, on a eu des élections où les candidats n'ont pas promis des gratuités de base, des gratuités plutôt de l'enseignement de base. En 2011, non plus. Pourquoi on promet cela en 2019, en 2018? Oui, moi, je n'ai pas été candidat à la présidentielle jusqu'à aujourd'hui, mais que je sache, oui. Tout le monde en a parlé, parce que moi, j'étais sur le terrain. Oui. Et puis, à la campagne précédente, tout le monde en a parlé aussi. Le candidat Ramazani, les candidats Félix Tshisekedi, les candidats Martin Fayulu en a parlé longuement. J'en parle en connaissance de cause. Moi, je suis de l'opposition. Donc, je crois qu'il fallait donner un tableau complet. Ensuite, je voudrais souligner ceci. C'est une option constitutionnelle. Elle ne se discute pas. Oui. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Je dirais mieux,
C'est une option consacrée par des instruments internationaux comme un des droits fondamentaux de tout citoyen, le droit à l'éducation. Okay? Le problème aujourd'hui, c'est de savoir comment allons-nous appliquer cette disposition-là. Heureusement, pour qu'il n'y ait pas de casse ailleurs. Parce que la gratuité de l'enseignement... Nous allons y arriver, j'aimerais bien qu'on suive le cours. Je vous en prie, je reviens à ça. Je voudrais poser la problématique. Parce que, madame, le problème de la gratuité, et il est un problème complexe, je voudrais souligner ça d'entrée des jeux, un problème délicat et de haute sensibilité politique et sociale. Et donc, il faut de la froideur, du courage politique, et puis des propositions qui font avancer le dossier. Voilà. Et maintenant, parce que vous avez dit pourquoi maintenant, donc je vous disais que ça ne se discute pas. Effectivement, à tout seigneur, tout honneur, nous avons un chef de l'État qui, d'entrée de jeu, est sur le terrain. Il a fait un engagement, il y a une prescription constitutionnelle. Il dit, je dois aller dans ce sens-là. Il fixe le cap. On ne peut pas nier ces mérites-là, quel que soit son bord politique. Vous comprenez? Et nous allons en parler tout de suite. Comment y arriver? Parce qu'une chose est de dire qu'on y va, une autre est d'y aller et d'arriver, je souligne, sans casse. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement sans enseignant, il n'y a pas d'enseignement sans infrastructure. Je voudrais faire intervenir M. Pouna, M. Jean Bosco Pouna. Les présidents Tshisekedi annoncent la gratuité. Il y a deux réunions qui se tiennent, il y a la table ronde, il y a la promo scolaire. Est-ce que cela a été suffisant pour qu'on puisse parler de cette gratuité, de l'application de cette gratuité à tous les niveaux, à partir de ces deux réunions? Merci madame. Mais parce que les acteurs qui ont pris part à la table ronde ont trouvé que l'urgence imposée, 2006-2019, 13 ans, l'article 43 n'était pas appliqué, 13 ans. Mais lorsqu'à la table ronde, les experts, les acteurs, les partenaires éducatifs se rendent effectivement compte qu'il y a lieu de pouvoir appliquer cette gratuité, bien sûr boostée par une volonté politique, eh bien je crois qu'il est temps que cette gratuité commence. Je pense que c'est une grande réforme, comme l'on vient de le dire, qui est complexe à mettre en place, mais il faut savoir commencer. Donc c'est un processus. C'est un processus, Qui commence avec l'article 43. Il y a la construction des infrastructures qui doit intervenir. Toutes ces questions, madame, ont été abordées à la table ronde. Il y a eu comme résolution les réajustements des salaires des enseignants. Il y a eu comme résolution le non-paiement de tous les frais de motivation de la première année jusqu'en sixième année, ce qu'on appelle aujourd'hui la quatrième année. Il y a eu comme résolution la construction, et ça c'est à long terme, vous vous imaginez, la construction des infrastructures pour résorber le nombre d'enfants qui demandent l'éducation. Malheureusement pour nous, cette situation allait trouver déjà des réponses sous Matata. Construction de 1000 écoles. Il faut faire la traçabilité. Il a conçu 500 écoles pendant 5 ans. C'est au lieu de 5000 écoles. Ok, donc 500 écoles ont été déjà construites. C'est un processus qui commence et qui doit se poursuivre. Je voudrais poser la question à MONULF, parce que c'est celui qui a fait l'enquête là-dessus. MONULF, quand tu termines ton reportage, tu nous dis que le processus est lancé, il y a la construction des écoles. Qu'est-ce que tu fais comme commentaire par rapport à ce que nos invités ont dit? Oui, je pense bien qu'il y avait 5000 écoles, comme je l'ai dit dans le reportage. Mais les décomptes nous donnent 534 écoles qui ont été construites. Donc, si on voit bien, c'est 10%. Okay. Alors, reste à savoir, est-ce que l'État avait les moyens de sa politique par rapport à ces processus qui étaient lancés? Et là, nous aurions bien voulu avoir M. Matata lui-même. Nous sommes allés vers lui, mais fort malheureusement, peut-être qu'il était empêché, il n'a pas pu répondre à ses préoccupations. Pourquoi 2019? C'est parce que quelque part, il y a eu quelque chose qui ont été faites, effectivement. Donc les bases sont les bases sont posées. Tout à fait. Je pense que l'honorable a commencé à dire ici que d'abord c'était constitution qui inscrit l'enseignement obligatoire et on commence à construire des écoles. Si on avait continué avec ces rythmes-là, je pense qu'on n'aurait pas des classes très bondées aujourd'hui comme c'est le cas.
Ça va intervenir bientôt. On va le suivre dans un de nos reportages. Là, je voudrais faire parler les chiffres. Est-ce que l'État a-t-il les moyens de sa politique? On vient d'annoncer les deux réunions table ronde et la promo scolaire qui ont introduit cette gratuité de l'enseignement de base. Suivons un peu avec Adeline Makpolo les chiffres. La réforme de l'enseignement de base et la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation sont consacrées par la loi cadre de l'enseignement national numéro 14/004 du 11 février 2014. Il s'agit, d'après les experts, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, d'une fusion de 6 années de l'école primaire et de 2 années du cycle d'orientation pour former un nouveau cycle de 8 ans, sanctionné du reste par un test dénommé « Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle » TENASOSP en sigle. C'est donc à ce titre que les partenaires de l'éducation réunis à la table ronde sur la gratuité de l'enseignement de base, tenue du 22 au 24 août 2019 à Kinshasa, ont étendu la gratuité à ces deux classes. Le coût global de cette gratuité de l'enseignement de base s'élève à 2,7 milliards de dollars américains. Elle reste toutefois conditionnée par certains préalables, à savoir l'amélioration des conditions de salaire des 542 834 enseignants, dont 132 614 enseignants non mécanisés, le versement des frais de fonctionnement aux 51 574 écoles et bureaux gestionnaires, la suppression des autres frais scolaires tels bulletin, Minerval, test de fin d'études primaires TENAFEP, test national de sélection et d'orientation scolaire TENASOSP, service national d'identification et des élèves CERNI, et la liste n'est pas exhaustive. Outre l'accès à l'école, la gratuité comprend 2 autres axes, notamment l'amélioration de la qualité par la formation continue des enseignants, l'acquisition des matériels didactiques, ainsi que la distribution des manuels scolaires et des guides pédagogiques aux écoles primaires, le renforcement de la gouvernance du système éducatif par la mise en œuvre effective de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, l'extension en province de la mutuelle de santé des enseignants, la sécurité sociale des enseignants avec l'opérationnalisation de la caisse des retraites et enfin la maîtrise des effectifs et la production des statistiques scolaires. Contrairement aux idées reçues, la gratuité garantie par l'article 43 de la Constitution de 2006, qui stipule, je cite, « L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics », fin de citation. Cette gratuité donc est appliquée en RDC depuis l'année scolaire 2010-2011, sous l'égide du président Joseph Kabila, à l'exception de la ville-province de Kinshasa et l'ex-province du Katanga. D'après les experts de l'EPST, elle se voulait progressive et ne concernait que les 3 premières années du cycle primaire. Au total, près de 14 millions d'élèves, soit 13 579 065, ont bénéficié de cette gratuité depuis 2011, auquel s'est ajouté un effectif de 5 millions d'enfants pour cette année scolaire 2019-2020. Suite à la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, la table ronde sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement tenue à la veille de la rentrée scolaire évalue le coût global de l'opération à 2,7 milliards de dollars américains. Une véritable gageure eu égard à la faiblesse du budget disponible, évalué à 450 millions de dollars d'après les prévisions. Et l'ambition des nouvelles autorités est de voir le budget de l'éducation passer de 8 à 20% dès l'exercice budgétaire 2020. Aussi, pour combler le gap de plus de 2 milliards de dollars, les experts réunis à ces assises ont tablé sur l'instauration de taxes à prélever sur les ressources naturelles comme les mines et les hydrocarbures. Par ailleurs, le Fonds de promotion de l'éducation nationale, FPN en sigle, est chargé de trouver des ressources additives et innovantes en vue de réussir ce pari de la RDC sur son avenir.
Bien, de retour sur ce plateau, je voudrais dire au revoir à Mounulf. Merci pour ton intervention. Je vais inviter Adelin Makpolo qui a signé ce reportage que nous venons de suivre. Adelin, bonsoir. Bonsoir Angèle. Tu as été dans les couloirs de l'administration, notamment à l'EPST, ainsi qu'au niveau du budget. Et ça, c'est le résultat de ton enquête. Quel commentaire tu fais ? Ben, je dirais d'abord qu'il faut signaler que le contexte particulier dans lequel nous avons effectué ce reportage intervient au moment où la gratuité entre en vigueur, elle passe de l'étape exclusive à l'étape intégrale et le gouvernement, il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place, alors l'administration était quelque peu en alerte, tous les responsables étaient sur les dossiers, que ce soit au budget, aux finances ou encore à l'EPST. Donc nous avons eu du mal à filmer, en tout cas les couloirs de l'administration. Nous nous sommes contentés des rapports synthèse des différentes études qui ont été faites par les structures spécialisées dans la préparation du budget. Et c'est comme ça que nous avons pu faire ce reportage en nous basant également sur les conclusions de la table ronde sur la gratuité de l'éducation de base. Merci Adelin, je te retiens sur ce plateau. Je voudrais faire intervenir M. Diatezoa. M. Diatezoa, on parlait des chiffres ici. Il y a les prévisions de 2,7 milliards pour soutenir la gratuité de l'enseignement de base. On dit notamment que dans les trésors, il y a 500 millions de dollars. Les chiffres parlent, mais je voudrais avoir votre point de vue en tant qu'acteur principal dans ce domaine. Est-ce que l'État a les moyens de sa politique ? Bien, merci madame. D'abord, nous, parents, nous avons salué cette option prise par le président de la République de commencer avec la gratuité de l'enseignement de base. Et nous avons participé aux travaux de l'atelier préparatoire avant d'aller à la table ronde proprement dite et à la promo scolaire nationale. Okay. Nous avons noté une volonté ferme du chef de l'État, alors que les experts commençaient à douter compte tenu des chiffres et de l'impact que cela devait faire sur le budget national. Mais comme le président de la République a tenu à ce que ça commence, ce que nous nous sommes dit, comme la volonté politique est là, c'est que quelque part des tiroirs vont s'ouvrir pour venir financer les 2,7 milliards de dollars. Et donc nous sommes allés et nous avons accompagné pour dire que vive la gratuité. Et maintenant, dans l'application, il y a eu des petits couacs parce que la gratuité devait prendre tout l'enseignement de base, c'est-à-dire y compris les classes de 7e et 8e. L'enseignement de base concerne les classes de première jusqu'à la 6e primaire et puis 7e et 8e qui étaient anciennement première année secondaire, CO oui. Et deuxième CO. Donc c'est ça. Les deux classes-là font partie de l'enseignement de base. Mais quand son Excellence le ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique est entré en fonction, après concertation au gouvernement, ils ont estimé que les deux classes de secondaire général n'allaient pas être concernées dans cette première phase. On ne peut pas comprendre que dans le projet du budget actuel, c'est 7 milliards. Madame, où est-ce qu'on ira avec l'enseignement ? Je voudrais faire intervenir, Monsieur David, je voudrais faire intervenir l'honorable par rapport aux chiffres. Oui. Honorable, vous avez beaucoup plus de précisions là-dessus. Bon, je vais parler sous réserve des chiffres que le gouvernement va nous amener, parce que c'est le gouvernement qui est à la cuisine. Il y a 24 heures, on venait de prendre une décision pour le salaire du mois de septembre pour les enseignants. J'en viens. Ok. Là, nous sommes vraiment dans le problème qui se pose actuellement. Oui. Je voudrais donner une précision technique.
L'article 43, dont je vous ai donné lecture, parle de l'enseignement primaire. Le concept d'enseignement de base est venu dans la loi que nous avons votée concernant l'enseignement primaire et secondaire. C'est cela. Certainement que sur le plan technique, on peut discuter constitution et loi. Mais moi, comme parent, comme député élu de l'intérieur, je me félicite qu'il y ait cette disposition qui étend jusqu'à l'enseignement de base. Madame, moi, je n'ai pas voulu parler en l'air. J'ai appelé le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. En tant que député, bien sûr, je lui ai demandé de me confirmer des chiffres. D'abord, 2,7 milliards. Il m'a dit, oui, honorable, c'est 2,7 milliards. Question, vous allez les financer comment? Suivez ce qu'il m'a dit. Il lui est loisible de démentir. Et je lui dis que je dirais ça à la télévision. Le ministre me dit ceci, qu'il y a l'allocation budgétaire et ils ont une proposition qu'ils vont nous amener. J'attends la proposition. Qu'ils comptent récupérer, ils misent sur un reliquat de 900 milliards de francs congolais. En fait, c'est l'argent qui était envoyé chaque fois, mais dont le bénéficiaire supposé n'existe pas. Donc, j'ai essayé de faire des calculs. 900 milliards l'an, ça me fait grosso modo 529 millions de dollars américains. OK? Et si vous soustrayez ce montant de 2,7 milliards, il reste à financer, il y a un gap de 2,171 milliards dollars américains. Alors, l'argent viendra d'où? À suivre le reportage, j'ai pu noter qu'on compte jouer sous la fiscalité minière et sous la parafiscalité pétrolière. Il faut faire attention. La fiscalité minière pose déjà problème. Nous avons le code minier que nous avons voté. C'est un bon code minier, il faut l'appliquer. Qu'est-ce qui va se passer si on augmente encore les contributions obligatoires dans le secteur minier? Comment les opérateurs économiques vont réagir? Ça, c'est une question, il faut l'étudier froidement. La parafiscalité pétrolière. Moi, je suis ancien directeur de ce qu'on appelle actuellement Conahydro, Petro-Congo, Petro-Zaïre. J'ai travaillé longtemps, c'est à peine que je viens d'avoir la retraite. Je sais de quoi je parle. La parafiscalité pétrolière a un inconvénient majeur. Ça agit immédiatement sur le prix des produits et des services sur les marchés. Oui. C'est-à-dire que ça agit les sur... Les paniers de la ménagère risquent d'en souffrir. Voilà, vous me prenez bien la parole à la gorge, madame. Oui. Donc, là aussi, on ne peut pas parler avec certitude. C'est pour ça que je dis que c'est une question à haute sensibilité sociale et politique. Et moi, je pense, et c'est pour cela que moi, j'ai fait une proposition qui a fait débat sur Twitter. J'ai dit ceci. Nous pouvons essayer de voir comment satisfaire, comment faire sauter le gap. On a parlé de 1 milliard de dollars que je crois le FMI, la Banque mondiale est prête à nous donner. Encore que là, c'est bien dit, j'ai suivi le ministre des Finances qui dit qu'en fait c'est pour un ensemble de postes de dépenses dont la santé, les infrastructures aussi. Donc là aussi, on ne peut pas dire que les milliards vont combler le gap. Permettez, je vais faire une proposition. La même chose, nous ne pouvons pas, nous, Congolais, et c'est pour ça que je parlais de responsabilité, je m'adresse aux parents, à tous les Congolais, moi je suis parent aussi, nous ne pouvons pas compter durablement sur l'aide extérieure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, la réponse est simple. Il faut retravailler le budget. D'abord, nous devons sérieusement, et alors de manière vraie, revoir le train de vie des institutions politiques. C'est très clair, je suis député, nous aurons une occasion d'en donner le détail. Ensuite, la politique salariale. La politique salariale dans le secteur public, elle est insupportable. Elle attise les tensions sociales, elle aggrave les inégalités et la fracture sociale. Et moi, je proposais, je compte revenir sur ça, il faut qu'à l'Assemblée nationale, on crée une commission paritaire, parlement-gouvernement, et pourquoi pas consulter les différents syndicats pour avoir des grilles de salaire harmonisées avec des maxima et des minima pour tout le monde, à partir du chef de l'État jusqu'en bas. Il n'y a pas d'enseignement sans enseignant. Et autre chose, ça fait débat, je suppose
Et je voudrais me réjouir à l'avance. Si en amenant le budget, le gouvernement nous dit, pas de problème, je paye tout. Mais je suis encore comme Saint Thomas. Qu'est-ce que moi je dis? C'est très simple. Nous devons appliquer la gratuité. Si la paire que nous avons de problèmes de financement, ce qui est le cas, je viens de vous le démontrer en quelques mots, on peut aller très loin. C'est pourquoi je voudrais vous arracher la parole pour nous permettre d'avancer un peu. Je crois que vous avez beaucoup d'idées. Merci peut-être beaucoup. Avec les reportages qui vont suivre, merci vous beaucoup. Pourrez encore beaucoup plus mieux commenter. Nous saluons, comme le président Diatezo a dit, la volonté politique qui est là. Le chef de l'État tient à appliquer cette gratuité. Cependant, il se pose un problème au niveau des moyens financiers qui ne suivent pas. Je voudrais par contre vous demander de quitter les chiffres et d'aller sur le terrain, dans les écoles. Nous avons envoyé une équipe de reportage pour faire le tour évidemment de Kinshasa et ils ont eu aussi un contact avec quelques provinces à l'intérieur. Ils ont parlé avec des provèdes. Je dis déjà merci à Adelin. Je vous en prie. Et c'est Ariana Mboum qui signe ce reportage dans les écoles de Kinshasa. À l'Athénée de la Gombe, tout comme à Mokengeli EP1 et 2 de l'EMBA et à l'Institut Lumumba EP1 et 2 de l'IMETE, la gratuité de l'enseignement primaire est effective avec un flux considérable d'élèves. Ce chef d'établissement à l'unanimité salue la matérialisation de ces processus qui vient donner un nouveau souffle dans le système éducatif congolais. Et la rentrée scolaire a été fixée pour le 2 septembre et la rentrée pour cette année elle a été effective. Mais ici, avec les mots la gratuité, et vous voyez, c'est tout le monde, hein, l'afflux, hein, vous avez vraiment des paroles, l'engouement total. Celui qui était dans les privés, et quand il a senti peut-être qu'il y a un gain favorable là-bas, là où les enfants ne vont pas payer, ils se sont précipités pour les inscriptions. On n'a pas même de place puisqu'on a dépassé même les maxima exigés. Dans toutes ces écoles, les effectifs ont doublé par rapport à l'année précédente. Les salles de classe sont bandées de bleu-blanc, confinées à 3 ou 4. D'autres, faute de bancs, suivent les cours à même les sols. Conséquence, la qualité de l'enseignement est remise en cause, car les enseignants se retrouvent avec une charge horaire importante face à des salles de classe surpeuplées. Il y a plein d'heures. Les enseignants sont débordés. On n'a pas une classe qui a moins de 60 élèves. Vous voyez comme... L'année dernière, j'avais un effectif de 400 élèves. Aujourd'hui, où je vous parle, je suis avec 780 élèves. Qu'en est-il alors de la gratuité dans certaines écoles catholiques, à savoir le collège Boboto, Elikia, Bobokoli, Saint-Raphaël et les lycées Boussangani-Pico? Là, l'accès nous a été catégoriquement refusé. S'agissant de frais de fonctionnement, les établissements scolaires attendent jusque-là l'enveloppe promise par le gouvernement. Jusque maintenant, nous n'avons aucun frais de fonctionnement. Pour contourner cette difficulté, certains chefs d'établissement d'écoles publiques et conventionnées, excepté les catholiques, font recours à leurs fournisseurs habituels pour les matériels didactiques. Ça fait 23 ans que je suis dans l'enseignement. Je sais comment on demande la rentrée scolaire. On s'est endetté par-ci par-là, en entendant la promesse qu'on nous a donnée d'attendre le frais de fonctionnement. Et comme nous sommes habitués, nous sommes familiarisés avec les imprimeurs nous font confiance, on nous a donné maintenant les craies et tout ce qui sont comme matériel pour la reprise des cours, pour la rentrée scolaire. Toutefois, la suppression de frais de motivation des enseignants dans les écoles est saluée par plus d'un enseignant. Donc, personne n'est lésé jusqu'à aujourd'hui au niveau des enseignants. Personne n'est lésé. Au contraire, et tout le monde, étant parent, nous ne parlons pas en tant qu'enseignants seulement, nous parlons des deux volets, parents et enseignants. Du côté enseignant, on a supprimé, nous nous réjouissons parce que ça nous donnait des fils à retordre de l'autre côté en tant que parents. Si pour les écoles publiques et autres conventionnées, notamment le protestant, les kimbanguistes, la suppression de frais de motivation est la bienvenue, cela n'est pas le cas pour les écoles catholiques, à la base de cette pratique vieille de 27 ans aujourd'hui.
Par ailleurs, le constat est presque le même sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes précisément au Kwango 2. Nous sommes basés à Kasongolunda. Aujourd'hui, j'étais en contact avec diverses sous-divisions. Les classes sont pléthoriques. Au primaire, vous avez les classes de première, deuxième et troisième qui sont débordées. Et au premier degré du secondaire, nous avons la classe de 7e et 8e. Surtout la classe de 7e aussi, c'est inondé. Alors, il se pose un problème. C'est le problème d'infrastructure. Nous, dans le Kwango 2, les écoles sont empisées. Alors, vous voyez, pendant les vacances, ça se détruit. Quand on rentre avec l'apport de parents, on peut reconstruire. Mais avec la gratuité, bon, les parents sont devenus passifs. Ils attendent. Alors maintenant, ces enfants, on n'a pas où le placer, il n'y a pas de banc. Et même les bâtiments, s'il faut parler des bâtiments, vraiment sont vétustes. À l'époque, la gratuité est observée dans toutes les écoles, donc il y a ce qu'on appelle gratuité effective dans notre province éducationnelle. D'autant plus que moi-même, je viens de faire la ronde de toutes les subdivisions et nous sommes rassurés que dans la semaine ici, nous attendons la paye des frais de fonctionnement qui ont été revus en hausse. C'est pour dire que les méthodes que nous donnons, c'est apaiser les différentes personnes qui avaient des questions liées à ça, qui pensaient que la gratuité ne va pas réussir. Nous sommes en train de sensibiliser la communauté pour qu'elle puisse se ranger derrière la gratuité. Conclusion, la gratuité telle qu'appliquée offre l'image d'un atterrissage forcé. Il revient au gouvernement d'encadrer ce processus si l'on s'en tient à sa réussite. Bonsoir Ariana. Bonsoir Angèle. Voilà, nous venons de suivre ton reportage sur les écoles, comment l'effectivité de la gratuité des bases se passe. Quel est ton constat personnel? Je pense que tu n'as pas pu donner toutes les images. Hein. Non, je n'ai pas pu donner toutes les images. Vous savez qu'il y a beaucoup d'écoles hein, à Kinshasa, plus de 1200 écoles. C'est la moyenne pour les écoles publiques, 6000 pour les écoles privées. Alors, on ne pouvait pas prendre toutes les écoles. On a juste pris un échantillon, hein, comme on peut le dire, de certaines écoles. S'il faut qu'on le dise, c'était pas facile de constater justement, de s'enquérir de cette gratuité. Donc, les portes étaient fermées? Oui, les portes étaient fermées à tout bout de champ, que ce soit pour le catholique, que ce soit pour les publics. Dans un premier temps, quand on arrive, on nous demande, il faut qu'on ait l'accord de Provède. Et une fois qu'on a l'accord de Provède signé, on revient vers ces écoles. Bon, pour certaines écoles publiques, c'était facile, l'accès. Mais par contre, pour d'autres, c'était le silence total. S'il faut qu'on se le dise, mais le constat est que dans toutes ces écoles, je ne veux pas faire un redit, hein, comme on l'a vu, l'effectivité de la gratuité, on voit les classes sont bondées d'enfants, plein d'élèves, par exemple à l'Athénée où on a été, une classe normale de 55 élèves, au lieu de 55, on a plus de 90 élèves dans cette classe, et c'est 4 ou 5 classes dedans. Les enseignants sont débordés, on ne sait pas, on se pose la question, est-ce que la qualité de l'enseignement va y être au rendez-vous? C'est une question que je voudrais remettre à nos invités. Vous venez de suivre le reportage sur les écoles, comment s'applique cette gratuité. Je voudrais faire intervenir M. Pouna qui n'a pas pris la parole. Depuis un temps, M. Pouna, vous avez vu les écoles bondées, les enfants à même les sols. Est-ce que finalement, il n'est pas question de revenir un peu en arrière pour encadrer cette question? La qualité de l'enseignement ne va pas souffrir de cette gratuité telle qu'on l'applique aujourd'hui? Oui, merci madame. Mais déjà, il faut dire que la gratuité, elle est irréversible. Oui. Elle est irréversible simplement parce que toute notre communauté la soutient. Oui. Quand vous voyez les parents, eh bien, aucun parent ne peut revenir au vieux système de la prise en charge des enseignants par les parents, un système discriminatoire, clientéliste même. Oui.
Deuxièmement, les enseignants ont accepté la gratuité. Je crois que vous avez suivi les reportages. Oui. Quand je parle des enseignants, je parle de la majorité d'enseignants. Si, si. Je ne parle pas de quelques enseignants dans quelques écoles de la Gombe. Oui, où il y a quand même de la résistance, on l'a constaté mais non, aussi. Mais la majorité... Madame, la raison est bien connue. Vous on, avez on a arraché les biftecs à la bouche. C'est les biftecs. Voilà. Mais nous ferons comprendre nos collègues que les enfants des enseignants sont concernés par la gratuité. Et donc, quand vous faites les calculs, les choses sont très simples. Vous touchez 400 $, vous avez 6 enfants, chaque enfant doit payer 500 $. Si vous multipliez, ça vous fait 3 000 $. Ça va pas. L'enseignant n'a pas ça. Aujourd'hui, les enseignants sont dégagés, libérés, et les parents peuvent faire des économies. Et donc, si nous remarquons ce qui vient de se passer par rapport à la qualité déjà, elle n'existait pas. Avec la prise en charge des enseignants par les parents, ils n'avaient pas de qualité. Oui, la c'est qualité pourquoi... avait suffisamment mais baissé. Mais tout à fait, madame. Maintenant, tel que ça se passe. Nous revenons, oui. Nous devrons nous préoccuper de la qualité de l'enseignement maintenant. Parce que autant nous disons que le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental, mais la qualité doit être exigée. On ne peut pas comprendre qu'il y ait pléthore tel que nous le remarquons et tous ces enfants confiés à un seul enseignant. Nous savons bien que la qualité va devoir souffrir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'État donne des moyens. Et au niveau de la table ronde, les points étaient épinglés. Nous pensons personnellement au niveau du syndicat et au niveau des enseignants qu'il faut aller. Vous avez 80 élèves, c'est en dehors des normes édictées par les ministères. Mais maintenant, il faut que le gouvernement, je crois qu'à la table ronde, on a dit qu'il y aura des mesures palliatives qui ne sont pas encore venues, mais je crois que le gouvernement doit s'atteler à ça. Parce que s'il ne le fait pas, eh bien, cette gratuité va poser plus de problèmes. Par ailleurs, on a parlé des frais de fonctionnement. Aujourd'hui, je crois que les frais de fonctionnement sont versés. Mais lorsque vous prenez de 6 à 10 écoles, on nous parle de 90 000 francs congolais. Je crois que là, ça ne va pas. Mais de 10 à plus de classes, eh bien, on parle de 400 000 francs congolais. C'est déjà bon. C'est un début, c'est déjà bon. Parce qu'il y a des écoles au village qui ne recevaient rien venant des parents. Voilà pourquoi toute notre communauté doit soutenir cela. Et tout à l'heure, je suivais l'honorable Christophe. Eh bien, je suis content. Parce que le Parlement doit être conséquent cette fois. Le oui. Parlement n'a jamais été conséquent. Aujourd'hui, on parle de 7 milliards. Nous attendons que le Parlement rejette ce budget. Si le budget arrivait au Parlement. Mais si le Parlement adoptait cela, c'est que ça sera une irresponsabilité. On a parlé de ça, ça risque d'influer sur cette gratuité. Le Parlement ne peut pas accepter le budget de 7 milliards. Parce que le Congo n'a pas besoin d'un budget de 7 milliards quand l'Angola a 50 milliards. J'avais peur quand l'honorable parlait de la parafiscalité, quand il parlait des taxes minières, comme pour dire que nous ne sommes pas capables de mobiliser toutes les recettes vers le trésor public. Et ça, c'est un effort qui doit être fait au niveau du gouvernement, mais le Parlement également doit être conséquent pour cette fois. Merci beaucoup, M. Jean Bosco Pouna. Je vais libérer Ariana. Merci pour ton reportage. Je sais que ça n'a pas été facile du tout pour toi. Ça a été des moments difficiles. Merci d'avoir réalisé ce reportage. Je voudrais, avant de donner la parole aux autres invités, vous donner quand même la possibilité de voir l'impact de cette gratuité sur les écoles privées. La gratuité de l'enseignement en RDC est aussi saluée par les responsables des écoles privées, en dépit des écoles publiques et conventionnées concernées par cette mesure. Nous sommes au complexe scolaire Charles Mbuta Muntu, une école située dans la commune de Ngaba. Ici, le personnel est en place. Les élèves sont dans les conditions acceptables pour suivre les enseignements. Le coordonnateur de cette école, qui se félicite de la gratuité de l'enseignement, précise que cette mesure n'a pas impacté du tout sur les effectifs des élèves dans son établissement et exhorte l'État congolais à pérenniser cette gratuité désormais effective dans l'intérêt des parents et des enfants. Nous sommes là, on est très sereins. D'ailleurs, les parents nous font toujours confiance parce que nous, on avait déjà commencé avec cette idée en aidant le gouvernement d'une façon ou d'une autre à mettre notre patte dans la reconstruction du pays, en mettant déjà les prix au plus bas niveau pour que les parents aient la possibilité de faire étudier leurs enfants. Donc chez nous, déjà, ils payaient un montant vraiment dérisoire, mais nous, nous misons sur la qualité de la formation. C'est ce qui fait que les parents ont toujours confiance en nous, malgré cette gratuité.
Par contre, au complexe scolaire l'Auberge du Salut, à Mungafula, l'un des directeurs trouvés sur le lieu avoue la réduction des effectifs des élèves qui sont partis pour les écoles publiques et conventionnées. Et ce que nous avons observé, que nous avons perdu beaucoup d'élèves dans nos écoles, la gratuité telle que notre chef de l'État l'a parlé, c'est une très bonne chose parce que certains parents qui se sentaient entre le marteau et l'encline, et maintenant, ils sont bien soulagés. C'est un soulagement pour les parents parce que d'autres parents se réjouissent. C'est comme ça que vous voyez les enfants viennent à flot dans des écoles de l'État. Et il y a même des classes où on ne parvient même pas à supporter le nombre d'enfants qu'ils trouvent. Et ce qui est comme des avantages dans des écoles privées, nous, écoles privées, nous avons perdu des enfants. Cette descente sur le terrain a démontré que les conséquences sont réelles dans les écoles privées qui font les frais de cette mesure de gratuité. Au-delà de tout débat, la gratuité de l'enseignement de base est effective. La problématique de frais de fonctionnement et de l'amélioration des conditions sociales des enseignants trouveront certainement une issue favorable, telle que l'atteste le gouvernement de la République. Nous revenons sur ce plateau où je retrouve Joseph Kamanga. Joseph, tu t'es intéressé aux écoles privées. Bonsoir d'abord Angèle. Bonsoir, Voilà. Aux écoles privées, entre guillemets les grandes écoles privées de la place, ne nous ont pas donné libre accès. Alors on s'est rabattu sur certaines écoles qui étaient accessibles. Et qu'aujourd'hui, dans ce reportage, vous l'avez suivi, il y a certaines classes qui sont apparemment vides. Il y a l'un des responsables qui a reconnu. Oui. C'est que l'impact est de niveau économique. Oui. C'est qu'en termes de recettes, les départs des élèves pour les écoles publiques et conventionnées, ce départ a tout de suite comme impact la réduction des effectifs. Et par conséquent, ce sont les recettes ou l'économie de ces écoles qui souffrent. Je voudrais revenir à nos invités, honorable Lutundula. Est-ce qu'on va vers le risque de fermer les privés? Je ne le souhaite pas, d'autant plus que dans la démonstration que nous faisons de tous ces éléments, il y a un trop-plein d'étudiants, d'élèves plutôt, dans le secteur public. Et parmi les solutions que je proposais, je suis en train de me dire qu'il faut prendre langue avec les privés non conventionnés pour voir si on peut trouver une zone d'allègement en faveur de parents qui sont là-bas, qui sont aussi de Congolais, pour voir comment contenir l'afflux vers les écoles publiques. Mais je vous ai dit parce que Gustave m'a interpellé. Jean Bosco m'a interpellé par rapport au budget, oui. Il a raison, mais je voudrais corriger tout de suite. Chaque année, ça fait plus de 20 ans que je suis au Palais du Peuple, nous redressons toujours le budget. Mais le problème, Jean Bosco, c'est l'exécutif. Il y a une majorité au Parlement, une majorité qui gouverne. J'espère que cette majorité vous suit et prend bonne note de votre revendication légitime. Des deux, le problème c'est lequel, madame, c'est la réalisation. Jusqu'à aujourd'hui, les statistiques les plus fiables démontrent que le gouvernement, le gouvernement successif, atteint difficilement 60% du budget. Ce qui veut dire que dans les 7 milliards qu'on nous a annoncé, il faut tabler sur tout au plus 5 milliards. Et là, nous tombons dans les réalités. Tout ce qu'on a montré ici, tout ce qu'on a dit, amène à une conclusion. C'est que la gratuité nécessite des mesures d'encadrement et des sacrifices. Parce que l'effet de boomerang, le retour de la manivelle sera fatal. Et je ne souhaite pas, je ne suis pas du gouvernement, je suis de l'opposition, mais je suis congolais, je ne souhaite pas que le chef de l'État... Ce n'est pas la couleur politique que nous avons invité, c'est un acteur parce que la question de l'éducation concerne tous les Congolais. Et député de l'intérieur. Oui. Il ne faut pas mettre le président dans un piège qui va consister en ceci. Oui, je dis ça, j'y vais, peu importe les conséquences. C'est-à-dire ça peut désarticuler d'autres secteurs, d'autres pas entiers de postes, des activités de l'éducation. Je parlais des enseignants. Donc moi je dis qu'il faut concevoir avec un effort, c'est pour ça que je parle de sacrifice, de part et d'autre, une petite transition avec des mesures d'encadrement. Elles sont lesquelles?
D'abord, il faut régulariser. J'ai vu ici, on a dit qu'il y a 132 614 enseignants non payés. C'est des députés de l'intérieur qui vous parlent. Je connais bien les dossiers. Il faut régulariser pour dire la vérité. Il n'y a pas, pas seulement cela, parce qu'il y a des élèves qui s'ajoutent, donc il faut encore recruter des enseignants. J'en viens. Les écoles, nous tous nous déplorons le fait que les infrastructures, si vous partez du plan Matata, ça signifie 500 poussières sur 5000, qu'il reste 4000 poussières à construire. Je souhaite que le gouvernement nous amène à l'Assemblée et au Sénat le budget pour la reprise, la continuation de ce programme. Pour poursuivre ce processus-là, pour poursuivre les programmes de construction des infrastructures S'il vous plaît, Et moi, je pense que avec beaucoup de réalisme, il faudra qu'on voit, qu'on étudie cette question pour voir dans quelle mesure on ne peut pas, comme le président l'a dit tout à l'heure lorsqu'il est passé à Lemba, je crois. Oui, c'est à Lemba, le jour de la rentrée scolaire. Oui. Il a parlé d'un processus graduel. Voilà, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à l'opinion. Et moi, je crois que nous ne pouvons pas, mes chers amis, prendre nos espérances pour des certitudes de demain. Il faut travailler à ça. Il ne faut pas considérer que hic et nunc, nous aurons une gratuité, j'ajoute, heureuse. Donc, on peut voir dans le poste de dépenses, dans l'enveloppe, parce que pour moi, par an, ce ne sont pas les postes. Je sais que je débourse la contrainte, l'enveloppe obligatoire. Ouais. Comment faire des allègements tels que dans l'entretemps des spécialistes dans le domaine, le gouvernement propose un schéma qui va désamorcer la bombe et appliquer, heureusement, la gratuité. Donc, moi, je voudrais qu'on réfléchisse en profondeur sur cette petite transition pour permettre à ce que l'application de la gratuité soit vraie et que cette fois-ci, à la fin, on félicite le président qu'il n'y ait pas un fin de boomerang contre lui et contre tous ceux qui croient en ça. Nous tous ici, nous croyons en ça. Oui, tout le monde croit et tout le monde le veut. C'est une volonté politique que nous saluons parce qu'il y a des parents également qui ont parlé. Et c'est notre dernier reportage par lequel je vais faire intervenir M. Diatezwa, qui est le représentant des parents sur ce plateau. Si vous voulez bien suivre avec moi ce reportage des Bob Ambongo, tout en remerciant Joseph Kamanga Merci qui a beaucoup, été dans Angèle. Les privés. Merci beaucoup. L'annonce de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base dès la rentrée scolaire 2019-2020 a été agréablement accueillie par les parents. Un ouf de soulagement au regard des vicissitudes vécues les années antérieures. Le casse-tête des acomptes sur les frais scolaires à payer avant l'admission des enfants en classe, les exclusions régulières et désordonnées, les cours non rattrapés, les taxes fallacieuses et caricaturées sur fond de travaux manuels, pour ne citer que ceux-ci, sont désormais noyés dans l'oubli pour ceux des parents dont les enfants sont inscrits dans les écoles publiques et conventionnées. Une décision salvatrice. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que tout le monde se demandait comment prendre son enfant en charge. Alors qu'on avait la volonté de prendre l'enfant, les enfants en charge, mais les moyens qui nous manquaient. Bakani, c'est là jamais ma parent. Mes embalali mosoto ka papa a juli kantiama lambo pour la pso ba bote en tout cas quand ndengo moni mo bote nyo so zo boti ka mwana minu libanda. La gratuité de l'enseignement de base, ainsi mise en œuvre, apaise non seulement les consciences, mais minimise aussi les dépenses du foyer. Les frais qui étaient prévus pour payer à l'école peuvent servir pour d'autres programmes au niveau de la famille. Étant donné que les études, c'est la base de la formation. Donc c'est ça un peu au niveau social, ça va contribuer à notre pays afin qu'on n'ait pas trop de délinquants. Au-delà de cette disposition constitutionnelle qui réjouit plus d'un, quelques parents sont sceptiques quant à l'encadrement de leurs enfants dans des classes bondées d'élèves, voire même au-delà de la norme requise en matière de l'enseignement. Aussi, d'autres craignent-ils ce brassage qui risque d'impacter sur les mœurs de leur progéniture. Pour cette catégorie de parents, il n'aurait pas fallu cette gratuité dans certaines écoles réputées. Si on a un peu de temps, il fallait que les salles soient en train de se faire. On a une condition de bébé, de casse. Na salle moko ba bana ba koza 80 pour mais ça ça ndeni na ko je ba ndeni bana ko ba ya nini
ma devoir, mais sans corriger en côté pour pas la leke belé. Le problème c'est quoi et notre souci c'est quoi? Notre souci c'est qu'il donne d'abord le fait de fonctionnement au chef d'établissement et puis qu'il puisse aussi payer bien les enseignants. Somme toute, la gratuité de l'enseignement de base est une disposition qui doit être pérennisée pour le besoin de la relève face aux challenges que la RDC s'est fixé dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. La République démocratique du Congo doit commencer à dépenser près de 3 milliards de dollars américains si nous voulons garantir que la gratuité sera pérenne et que nous allons pour cela protéger la qualité. Et il faut pour ce faire que l'État développe des mécanismes de financement intérieur. Nous ne pensons pas que le financement extérieur va nous permettre de pouvoir rendre pérenne l'éducation. Cependant, loin d'être une simple réalisation d'une promesse de campagne, la pérennisation de la gratuité de l'enseignement de base exige des mesures efficaces, coordonnées et imposantes. Pour les spécialistes, il revient à l'État d'allouer des fonds nécessaires à l'éducation pour asseoir un enseignement de base de qualité et ainsi offrir une égalité de chances à tous les enfants congolais. Il est donc important que un plan sérieux, rationnel de construction d'infrastructures scolaires puisse suivre. Étant donné qu'il y a afflux en termes d'effectifs d'élèves, il faut également penser à recruter de nouveaux enseignants. Face aux insuffisances constatées à l'issue de la dernière table ronde sur la gratuité, d'aucuns réclament de nouvelles concertations. Nous, en tant que parents, nous conseillerons au chef de l'État qu'on puisse se mettre autour d'une table les représentants des enseignants, les représentants des parents, autour des états généraux et préparer un plan de la mise en œuvre correcte de cette gratuité pour que ça puisse être une réussite. Pour assurer l'effectivité de cette gratuité, d'aucuns pensent qu'il faudrait revenir à la case de départ, c'est-à-dire l'organisation des états généraux de l'enseignement en République démocratique du Congo, afin de dégager les véritables orientations qui permettront de matérialiser l'article 43 de la Constitution, lequel se joint à celui de la Convention internationale des droits de l'enfant en ses articles 28 et 29 qui exigent l'accès à l'éducation de tous les enfants en âge de scolarité. Une paire de manches qui appelle la contribution et la bonne foi de toutes les parties prenantes du système éducatif, à savoir l'État, les enseignants et les parents. Voilà, sur ce plateau, je suis rejoint par Bob Ambongo. Bob, tu as été à la rencontre des parents et quelques syndicalistes, des enseignants. Oui. Comment cela s'est passé? On vient de suivre ton reportage. J'ai fait la ronde des quelques écoles de Kinshasa, également dans les rues également de Kinshasa, pour recevoir les avis de ses parents. Tous, unanimement, ont été d'abord d'accord et ont salué ce processus de la matérialisation de l'effectivité, bien sûr, de l'enseignement de base. Tous sont heureux, mais il y a quand même quelque chose qui choque. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'on parle quand même de cette qualité de l'enseignement, comme mes prédécesseurs ont également indiqué tout à l'heure. Il faudrait qu'il y ait ces états généraux de l'enseignement pour que l'on puisse avoir garantir une certaine qualité dans l'enseignement, parce qu'aujourd'hui dans certaines classes on trouve des élèves qui écrivent à même le sol, ce qui ne donne pas lieu à une certaine qualité. Malheureusement également l'encadrement qui pose problème par rapport au nombre de ces élèves dans les salles de classe. J'ai entendu des parents qui réclamaient que les devoirs ne sont pas corrigés. Effectivement. Tellement les enfants sont nombreux. Finalement on dit que la gratuité doit s'appliquer, mais elle doit être encadrée. Monsieur Diatezoa, vous êtes président de l'ANAPECO. Les parents viennent de parler. Qu'est-ce que vous ajoutez à cela? Il y a deux groupes, évidemment. Ceux qui disent « Ouf, c'est très bien, c'est une bonne décision » et d'autres craignent sur la qualité de l'enseignement, la qualité de l'éducation de leurs enfants. Merci, madame. Le problème qu'il y a dans ce pays, c'est que parfois on ne coûte pas assez ceux qui ont l'expertise de terrain
dans le secteur de l'éducation. L'ANAPECO, nous sommes là depuis 50 ans. Nous accompagnons le pouvoir organisateur depuis 50 ans. Et nous avons pris le risque de nous substituer à l'État pour prendre 70% des frais de fonctionnement du système éducatif. Et ça nous a amené là où nous sommes, et la paresse de l'État. L'État a tout abandonné entre les mains des parents. Et nous avons dit fini. Il n'y aura plus de prise en charge des enseignants par les parents. Les parents n'ont pas recruté des enseignants. Donc l'État doit s'assumer. Ça doit être compris. Et pour ce qui est de la gratuité, c'est un droit de nos enfants. Les enfants doivent aller à l'école tel que prévu par la Constitution. Et donc, on n'a pas à redire là-bas. Maintenant, c'est à l'État de trouver le moyen. Nous, déjà précurseurs, nous avions vu que l'État n'avait pas la vraie volonté et nous avons suggéré et obtenu la création du Fonds de promotion de l'éducation nationale. Projet initié depuis 2002, mais concrétisé en 2006. Et malheureusement, la mise en œuvre de tous les instruments pour que le fonds de promotion puisse avoir les ressources nécessaires, les ressources extra-budgétaires. Et donc, c'est sur cette voie-là que nous avons proposé des choses telles que on doit créer une taxe ou plutôt un impôt pour la promotion de l'éducation. Voilà comment nous avons pensé. Mais comme toujours, nous voyons les choses avant, et l'État nous rejoint après. Donc c'est une suggestion, mais la gratuité pour nous, elle est inévitable. Irréversible. Voilà. C'est ça le mot. On va faire les derniers tours des tables. Monsieur Jean Bosco Pouna, vous venez de suivre, pratiquement vous n'êtes pas intervenu sur les deux derniers reportages qui sont passés. Il y a les écoles privées également, publiques et conventionnées, également les écoles privées, les réactions de parents. Il y a la grande question de la qualité de l'enseignement. Il y a aussi une intervention importante que j'ai notée dans les reportages. C'est une dame syndicaliste qui demande qu'il y ait des états généraux ou bien qu'il y ait un plan de mise en œuvre, qu'on fasse un plan de mise en œuvre pour encadrer cette gratuité de base. Oui, merci madame. Je crois que la dame a parlé des états généraux. Nous, parmi les points négatifs de la gratuité, nous avons demandé au gouvernement de convoquer la commission paritaire. Parce que la commission paritaire gouvernement banque syndicale va permettre qu'on puisse déterminer les salaires de chaque enseignant. Aujourd'hui, on a payé le mois de septembre et puis on a payé, on a fait la paye complémentaire de 194 000 francs congolais qui se sont ajoutés à 160 000 que l'enseignant touchait déjà. Donc vous mettez tout ça, c'est ce qu'il va devoir toucher au mois d'octobre. Vous comprenez? Donc octobre, novembre, décembre, eh bien les enseignants vont toucher les 160 000 plus les 194 000. Ça, c'est dans des grandes villes. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, que dans l'arrière-pays, que l'enseignant puisse avoir un réajustement de 39 000 francs. Nous avons beaucoup de questions de la part de ces enseignants et ils sont nombreux au niveau de l'arrière-pays. Je crois que là, on doit réajuster. Et c'est pourquoi nous continuons à demander la convocation de la commission paritaire. Parce que si l'État ne le fait pas, eh bien, il mettra les enseignants dans l'impossibilité de pouvoir continuer à travailler. Parce qu'au niveau des villes, certes, on est plus ou moins satisfait, mais on attend. Parce que nous ne pouvons pas abandonner les enseignants qui avaient déjà un certain acquis, bien sûr venant des parents, mais nous voulons que l'État va vers cela pour préserver la qualité. On parle des infrastructures, mais également il faut parler de l'enseignant. Parce que si l'enseignant n'est pas motivé, il n'aura pas le cœur à l'ouvrage. Voilà pourquoi la commission paritaire doit être convoquée. Et puis, le président de la République doit statuer, il doit prendre une ordonnance pour statuer la gratuité. De telle sorte qu'après son mandat, ceux qui viendront puissent continuer afin qu'on ne revienne plus sur un système clientéliste qui n'a pas profité à notre système éducatif. Pour les écoles privées, je crois qu'il faut protéger les écoles privées, c'est vrai. Un grand nombre d'enfants vont vers ces écoles-là, ces écoles doivent être subventionnées. Et je crois qu'on a fait la statistique, votre reportage révèle effectivement qu'il y a plus d'écoles privées que d'écoles publiques
à Kinshasa notamment. Et donc, ces écoles ne peuvent pas être abandonnées. Nous disons en somme qu'il y a des points positifs par rapport à cette gratuité. Les enseignants ont accepté cela. Les enfants, les enseignants sont concernés par la gratuité. Et tout à l'heure, dans votre reportage, on a parlé de budget. Mais aujourd'hui, on parle du budget qui est rehaussé à 20%. 20% budget de l'éducation, on n'a jamais vu ça. Et donc, si c'est concrétisé, ça sera déjà une très bonne chose. L'honorable a parlé des sacrifices. Ben, si nous prenons 2,7 milliards qu'on doit consacrer à l'éducation, mais faisons ça d'abord. Faisons ça d'abord pour que finalement, nous tous, nous puissions soutenir cette gratuité parce que l'enfant congolais pourra aller à l'école. Donc, si je comprends bien, pour vous résumer, il faut encadrer cette décision. Il faut encadrer. Elle s'applique, elle doit être encadrée nécessairement. Je vais donner la parole à l'honorable. Nous sommes en train de clôturer cette émission. Honorable Lutondola, on parle de la gratuité qui doit être encadrée pour qu'elle soit bien réalisée, pour qu'elle bénéficie bien aux Congolais. Quels sont les derniers mots de l'honorable ? Madame, merci beaucoup pour l'émission. Je l'appelais de tous mes voeux. J'ai cru retenir ce qui suit. Je ne me substitue pas à vous en termes de synthèse. Nous sommes tous d'accord que le secteur de l'éducation est en crise. La condition des enseignants, la qualité de l'enseignement et l'application de la gratuité ainsi que les infrastructures. Je pense qu'en termes de perspective, moi j'ai noté et j'ai fait ces propositions-là. La première chose, c'est qu'il faut retravailler le budget des institutions politiques pour dégager quelque chose à injecter dans le financement de la gratuité. La deuxième proposition, c'est que la condition de l'enseignant doit s'intégrer dans la perspective globale d'une nouvelle politique salariale au sein du secteur public. Et pour cela, je ne cesse de proposer la création d'une commission paritaire parlement gouvernement, on verra comment associer des acteurs sociaux et qu'à l'occasion du budget que nous allons examiner dans quelques semaines, on puisse mettre sur la table les rémunérations de tout le monde, du président de la République, huissiers, enseignants, PDG des entreprises, des sociétés, tout le monde, tous ceux qui relèvent du secteur public, pour quand même qu'on ait une politique salariale équilibrée et incitative au travail. Troisième proposition, je proposais la transition de la gratuité. D'ailleurs, la dame qui a parlé ici, et même tous ici, nous sommes dans ce sens-là. Il faut étudier avec des réalités en face. Est-ce qu'on va procéder étape par étape, pour combien de temps il faut cette transition-là? Une autre proposition, le fonds de promotion de l'éducation. Il faut qu'on examine la gestion et notre collègue débatteur, le président d'Anapeco nous a révélé, je viens de noter ça, qu'il y a eu des propositions qui ont été faites pour financer ce fonds. Ce fonds n'est pas là. Autre chose, il faut régulariser la situation de 132 614 enseignants et aussi des écoles non mécanisées. Je voudrais terminer, madame, en disant qu'il faut discuter avec les écoles privées non conventionnées, parce qu'ils ne sont pas concernés, pour voir comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à la mise en œuvre heureuse de la gratuité. Et enfin, les États généraux, je crois qu'ils doivent se tenir, pas seulement avec les acteurs du secteur, parce qu'on nous a interpellés comme députés, on a d'autres acteurs à interpeller, la Fédération des entreprises du Congo, tous ces acteurs-là, étatiques, para-étatiques, sociaux et politiques, doivent savoir. C'est une question basique. Alors, en ce moment-là, on aboutit à décréter un effort national de soutien à l'enseignement. Voilà l'ensemble de propositions que moi je fais. Merci beaucoup, honorable. Nous ne sommes que dans les propositions. Et ce soir, je ne voudrais pas conclure cette émission parce que le sujet est tellement délicat et important. Je pense que nous sommes en train de suivre la situation sur terrain. Il y a des mouvements, des grèves qui s'annoncent ci et là. On voudrait observer comment cela va se passer. On voudrait bien que notre contribution soit prise en compte au niveau des dirigeants parce que de grandes et importantes propositions ont été faites ici. Nous avons reçu un représentant de parents, nous avons reçu un représentant des enseignants, nous avons également reçu un acteur politique. Donc, vous tous,
Vous êtes des acteurs importants sur la gestion de cette question de la gratuité de l'enseignement de base. Et donc, je vous dis déjà d'emblée merci d'avoir bien voulu venir répondre à notre invitation de ce numéro 00 de notre magazine, dénommé 50+, que vous aurez bientôt le plaisir ou le bonheur de retrouver désormais sur vos antennes de télévision. Je n'ai pas dit au revoir à mon ami Bob, revoir, qui a merci. Fait les derniers reportages. Bob, merci pour tout le travail et merci à toute l'équipe. À très bientôt. Et donc, merci à très bientôt à toi aussi. Mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir à la présentation de ce nouveau magazine 50+, qui ne clôture pas ce sujet. Certainement, nous y reviendrons, peut-être dans un mois, en attendant de voir l'évolution de la situation sur terrain. J'espère bien revenir pour acclamer et dire que tout se passe bien. À très bientôt.